et à l'échelle de l'intérieur de la France en général, et au-delà, ça suscitera aussi des bouleversements de la transplantation cardiaque à l'échelle internationale. Donc on est très fiers de participer à cette aventure et on va continuer de la mener compte tenu des bons résultats de démarrage. Alors le programme Pégase, c'est une étude clinique qui s'intéresse à la transplantation cardiaque et qui a pour objectif d'élargir les possibilités de transplantation cardiaque en augmentant le temps entre le moment du prélèvement du cœur et le moment de la transplantation sur le receveur. Jusque-là, on était limité à 4 heures, ce qui est particulièrement court, et à travers l'emploi d'une machine à perfuser le greffon cardiaque, à perfuser le cœur que l'on a prélevé, avec une solution froide et hyperoxygénée, un travail est mené pour entamer un élargissement du temps entre le prélèvement et la greffe. Et donc, on a commencé sur les Antilles, car nous avons des greffons cardiaques qui ne peuvent pas actuellement être greffés sur place. Nous avons un temps d'avion qui est long entre les Antilles et l'Hexagone. Et donc, on a fait ce travail sur ces greffons qui ont voyagé de Guadeloupe jusqu'à Paris. Et après 12 heures, entre le moment du prélèvement et le moment de l'arrivée dans le centre de transplantation cardiaque parisien, ils ont été réimplantés. L'un venait du CHU de la Guadeloupe, l'autre du CHU de la Martinique. Ils ont donné lieu à 2 transplantations cardiaques avec des patients qui sont vivants. Nous sommes plusieurs mois après les transplantations. Les patients sont vivants, en bonne forme, en bon état général. Alors, il faut savoir qu'en temps normal, dès qu'on a un donneur d'organes potentiel, nous devons faire donc le bilan des organes qui fonctionnent correctement, d'une part, et nous devons également faire le bilan pour la sécurité sanitaire, c'est-à-dire vérifier auprès du médecin traitant, auprès des proches, et également par des examens biologiques et radiologiques, vérifier que le patient n'a pas de maladie à risque de transmission. Alors, cette fameuse journée, dès l'identification du donneur potentiel, il a fallu qu'on prenne contact avec l'équipe de la Pitié Salpêtrière pour leur donner un minimum d'informations, c'est-à-dire les résultats de l'échographie cardiaque, voire également des informations sur la tension artérielle du donneur et ce qui leur a permis de voir si oui ou non la personne était éligible ou pas. Et ensuite, dans le délai de 24 heures, on a dû faire de façon rapide tous les examens pour la sécurité sanitaire et vérifier l'absence de contre-indications. Et dès le lendemain matin, on a repris contact avec eux pour leur donner toutes les informations et ce qui leur a permis de réserver les places à bord d'Air France. Et donc c'est une révolution, c'est une première mondiale, c'est une révolution et l'étude va se poursuivre. Et si elle continue de montrer les espoirs qu'elle a suscités, eh bien ça permettra d'élargir la transplantation cardiaque, de modifier les contraintes de temps, les contraintes géographiques, dans le sens des Antilles vers l'Hexagone, de l'Hexagone vers les Antilles, et à l'échelle de l'intérieur de la France en général, et au-delà, ça suscitera aussi des bouleversements de la transplantation cardiaque à l'échelle internationale. Donc on est très fiers de participer à cette aventure, et on va continuer de la mener compte tenu des bons résultats de démarrage.